Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Prison Architect. Oui, bah du coup on en fait beaucoup, hein. Écoute, hein, nouvelle mise à jour, nouvelle prison, ouais, on va en bouffer en long, en large, en travers, on va pas se mentir, on va pas se mentir. Puis bon, c'est pas comme si j'aimais beaucoup ce jeu donc. Bref, j'aime beaucoup ce jeu, allons-y. Donc voilà, déjà pendant que vous étiez pas là, j'ai fait ce petit bloc que j'ai réfléchi, donc que j'avais pensé. Avec la future salle des gardiens, mais pour avoir la future salle des gardiens, il faut que je débloque la salle de surveillance, je crois, qui est en cours. Je sais pas si ça a été terminé. Cantine, cour, douche, machin. Oui, non, mais c'est ok, d'accord. Non, j'ai pas eu encore. J'ai pas eu encore. Voilà, et puis ici, après, ce qu'on va essayer de rentrer par là. Je pense que là, du coup, on va devoir rentrer une cour et des douches. Donc on va mettre ça, hein, pas de problème, on va leur mettre. Ici, on va garder l'espace pour les chiens, l'armurerie. Alors, probablement l'armurerie là et les chiens là, parce que j'en mets 3 tonnes comme d'hab. Je vais juste pas abuser du tout. Ici, très probablement, genre infirmerie, morgue. Je veux quelque chose d'assez grand pour une fois, du coup, assez spacieux. Très probablement, juste en dessous, encore un autre bloc sur lesquels viendront bah, les conditionnels, le parloir, etc. Voilà, tout ce qui va toucher à l'extérieur, vraiment, je vais le mettre en ligne sur le côté, sur la route, où je vais blinder la sécurité. Et il va falloir que je recache, je pense, un système électrique là-dedans, parce que bon, là on est très loin de la surcharge, hein, c'est pas le problème en soi. Pas de cantine, hein? Ah oui, j'ai pas fait de salle de cantine, crétin. Oui, alors, ceci est une cantine. Voilà, merci, ça me faisait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Après, il me faut une cour 5 sur 5. Sécurisée derrière au moins une porte. Et les douches, donc il faut juste une pomme de douche. Alors ça, c'est vraiment abusif. Mais bon, c'est pas grave. Oui. On va se faire une cour. Alors, on va se faire une cour. Mais pour cela, on va peut-être décaler une chose ou deux. Clairement, ce qu'on veut, c'est pouvoir séparer un côté du reste. Donc, genre un truc comme ça. Enfin, décale-moi ça. Deux. Deux. Par exemple. On va peut-être s'intercaler vite fait les douches ici, puisque du coup, les douches n'ont pas besoin d'être dans une zone particulièrement ouverte, enfin, fermée ou quoi que ce soit. Donc, on va peut-être pas se gêner. On va peut-être se coller genre les douches comme ça, tu vois, ici. Tac. On se cale de la douche ici. Avec un petit mur central vite fait. C'est un petit mur carrelé au milieu. C'est très joli ou pas? Et voilà. La bonne taille à la douche. Ouais, alors du coup ça c'est plus à la bonne taille. Alors attends, comment je vais penser mon truc? Parce que là, ce qui m'embête, je devrais pas la mettre là, la douche, en fait. Je suis en train de la mettre là juste parce que, franchement, voilà. Parce que franchement, je gagne de la place. Mais en réalité, je devrais démonter ça. Montez-moi ça. J'ai pas un truc genre tout démonter, voilà, démonter objet. Voilà, démontez-moi tout ça là. Voilà. Pièce, tu m'annules ce truc. Et tu vas me démolir ce mur. Voilà. Et clairement, je vais juste mettre mes douches ici et ce sera mort. Puisque si je prends les douches, je peux complètement faire ça. Voilà, c'est juste des pommes de douche. Donc, alors deux choses. Le banc, on peut complètement le mettre là. Ah, quoique. Ouais, ça gêne un peu. Ouais, d'accord, ok. Ok, d'accord, le banc, on peut pas le mettre là. Mais, je peux peut-être vous mettre un mini banc. On a pas le mini banc? Le petit banc. Le petit banc, les gros. Il passe là.
n'avez pas l'air convaincu. Moi non plus. Donc on dira qu'il passe pas. C'est pas grave. Bon, il passe pas. Nous on va remettre des grilles ici. On va remettre des pommes de douche ici. Et normalement, si j'ai bien fait mon taf, l'eau arrive. L'eau arrive déjà. Ouais, c'est ça. Il y a quand même des petits bouffes de génie comme ça. Ça n'a pas l'air rien. Ici, on se remet une grande porte de cellule. Là, normalement, il y aura une tour de sniper. Donc, normalement, tac, je me fais une planification. Objet, je peux mettre n'importe quel objet. Ouais, bon, on dirait que c'est la tour de snipe. Ça me va très bien. En sol. En fège, en sol fège, il me faut de la dalle. Avec tous les lampions qui vont bien. Lampion. 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 Et on sera bien. Et on sera très très bien. Ok. On sera très très bien, c'est très très good, c'est très très enough, c'est très très good enough. Ah oui, d'ailleurs je l'ai pas tagué ma salle d'admission, alors excusez-moi, on va la faire, hein. J'ai oublié de la taguer. Ceci est une salle d'admission, voilà. Ça, on fait quand même les choses bien. Du personnel, cantine, c'est tagué, tac tac tac, tout est tagué. J'ai toujours pas la petite salle de surveillance là. Lieu au travail, votre personnel administratif, oui mais pas mes gardiens. Ils ne comptent pas dans l'administratif. Ce qui est normalement légalement en France. Ah mais pour tout ça il me faut un chef de la sécurité. Oh, on va casquer, on va perdre de l'argent, ça y est, c'est parti. Le chef de la sécu. On gagne plus rien. D'ailleurs on gagne moins de 1000 balles, c'est un enfer. C'est un enfer. Alors, on gagne plus rien, c'est une horreur. Alors, en plus on n'a rien vendu hier, c'est une catastrophe. On va tout vendre aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Enclos entouré par des murs. Ah, je peux pas. Mince, je suis con. Oui, je peux pas la mettre parce que les murs, tout ça, les murs. Aïe, 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 je suis crétin. Mais non, mais mince, 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 mince. Du coup, oui, c'est ouvert parce que le jeu est trop bête. Le jeu est trop bête. Et c'est bête que ce soit juste un jeu. Clairement. Démonte, bah, démonte les douches. Hein. Vas-y, hein. On va remettre les lampions, on va tout remettre. La pièce, du coup, la cellule d'attente. Voilà. Il faut qu'on fasse des douches, ouais, je suis au courant. Du coup, on va remettre les douches par là. Du coup, en planification, tu m'effaces ça. Fasse-le, efface-le, efface-le. Allez, vas-y, ouais, nice. Un petit peu de mal là-dessus, hein, toujours. Compliqué. Du coup, douche, elles sont là, ok. On va reparquer ce qu'on avait mis. On va remettre du pommeau de douche. Voilà. On va néanmoins mettre cette tour de sniper que moi j'ai envie de mettre. J'ai envie, c'est la question de ma vie, voilà, je vais la mettre ici. Si moi je peux pas mettre des tours de sniper pour tirer sur les gens, je me sens mal. Donc, on fera comme ça, hein, pas le choix, parce que sinon moi après je me sens mal. Et j'aime pas me sentir mal. Quand je me sens mal, bah, je tire sur les gens, mais pour tirer sur des gens, il faut des tours de sniper. Bref, on va s'en remettre. Tue ton prochain, tue ton prochain. Tu verras s'il continuera à faire du boudin. Très bien, très bien. Allez, double lampe. Double lampe, c'est joli. C'est joli, hashtag on aime beaucoup. Voilà, plein plein de lampes, voilà. On aime les lampes. Les petites lampes qui coûtent pas cher, bien sûr, on adore ça. Et il fallait que je remette la petite là-haut. Exact. Ceci étant fait, du coup, je peux remettre le banc. Voilà, votre petit banc, les mecs. Petit banc. Petit banc. Et j'ai même des petites tables en rap, si vous voulez, les poulets. Moi, je vous dis que ça, hein.
Ou alors inversement, tu vois, les petites tables dans le coin et le banc juste là, tu vois. As-tu vu ma belle quenouille? Bon, genre je vous glisse une table comme ça, parce que je m'en fous. Parce que clairement je m'en fous. Et au moins j'ai utilisé toutes mes petites tables. Et on est très bien. Très bien, très bien. Bah du coup il n'y a pas d'eau, mais on va en balancer quand même, vous inquiétez pas. Ah oui, non, ça, puis ça. Est-ce qu'on a toujours assez d'eau pour aller jusqu'au bout? Après cela. Ouais, d'accord, plutôt que de déplacer la caisse, ils vont tous faire des allers-retours. Allez, bon demeurer. Ça a l'air d'aller. Ça tient, c'est ce qui compte. Bon, franchement, c'est vraiment ce qui compte. Très bien. Donc j'ai le chef là qui est en train de suer comme jamais. Mais alors du coup ça me permet de lancer d'autres genre paradis fiscal quoi. Par exemple. Je peux faire entrer un avocat aussi je crois dans les murs là. Mais est-ce qu'on est vraiment pressé de faire entrer un avocat? Un autre bureau. 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 Très bien. Très jolie. Elle fait tellement l'abandon au milieu de la pampa, j'avoue. Cette prison, elle est trop cool. Elle fait vraiment abandonner au milieu de nulle part, quoi. C'est assez cocasse. Dans les systèmes qu'on propose, on proposerait pas là en petit extérieur, voilà. Détecteur de métaux. Parce que c'est eux, ils vont nous dire quand même beaucoup de choses, hein, ces petits détecteurs de métaux. Ces petits détecteurs de métaux, ils nous disent tout. Ils nous racontent tout sur les gens. Grâce à eux, on sait tout. Voilà. Oh là, on est en négatif en argent. On perd de l'argent. Hein. On est en dessous des 2 millions. Au secours. On perd beaucoup d'argent. C'est une catastrophe. C'est pas avec ce double trottoir que je vais économiser des sous. Allez, c'est parti. En même temps, là, on va poser que des trucs qui coûtent cher. Hein. Donc, parti. Gros mur d'enceinte. Mur d'enceinte. La grande porte. J'ai hissé la grande porte. Je crois que c'est une chanson, non? Trop loin. Bah, il propose plus le détecteur. Oh. Détecteur de métaux. Ah bah non, parce que c'est dans les objets le détecteur de métaux, crétin. Ah, faut arrêter de bouger sinon jamais on va le trouver. Ok, nice. Ok, nice. Très bien. Très bien, très bien. Voilà. Globalement, là la situation. Je pense que voilà. Je pense qu'on est solide. On est solide sur les appuis, les prolongations. Hein. C'est propre avant d'être complètement moisi. Intéressant. C'est joli avant d'être moche. Grosse réflexion. Réflexion lourde. C'est joli quand c'est pas moche. J'ai pas fait ce côté là. Bah ouais. Ah ouais. Ok. Alors par où qu'on a envie de les faire passer au détecteur de métaux? Bah en sortant de la cantine déjà. Là on a clairement envie que partout les mecs ils passent au détecteur. Hein. C'est ce qu'on veut. Même avant de sortir? Est-ce que même avant de sortir?
Non, puisqu'on a encore des détecteurs de l'autre côté de la porte. À la limite, j'ai envie de dire, on s'en fout. On s'en fout pas mal même. Là, ça les fait quoi dans toute l'enceinte? Pourquoi pas? Ah, il y a un truc qui m'intéresse. Des barbelés. Ouais, mais ça coûte un peu cher. Mais après, les gens, ils essayent de s'enfuir. Les gens qui essayent de s'enfuir, c'est fatigant. Du coup, je mets quelques barbelés, quoi. Quelques-uns, quoi. Un ou deux. Ouais, là, c'est des grosses dépenses. Hein. Si les gens ils arrêtaient de rêver d'escape game, ça me coûterait moins cher. Hein. Les gens ils sont trop fans d'escape game. C'est une prison à rôlistes en fait. En train de concevoir une prison de rôlistes. Voilà. Avec des mecs qui essayent de se faire tout le temps. Catastrophe. Ah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Ah, on peut en mettre sur tous les murs, mais comme un type trop vénère. Wouah, mais genre, mais vraiment, et genre là en fait, vu que c'est des murs extérieurs, ah oui, on peut même en mettre. Oh, ah ouais, avant tu pouvais mettre que les mettre sur le mur d'enceinte, là tu peux vraiment tartiner quoi. C'est vas-y tartine, hein. Vas-y tartine. Démontez-moi ça. Hein. Par contre, ça c'est une priorité, hein. Ça c'est clic gauche. Hein. Ah c'est cool. Clic gauche, hein, clic gauche. Tarasse. Gauche-moi ça là. Je peux pas le clic gauche là. Ah, c'est chiant. Du coup, on gagne un peu sous avec tout ce qu'on a à exporter. Hein. C'est. Pile de tenue. Ah oui, des barbelés. Ah, par tonne. Hein. Des barbelés par tonne. Hein. Bah ça, il va falloir commencer à avoir mal aux cheveux. Parce qu'on va raccorder en Alaptracetal. Ça tient. Ça tient. Ça tient. Ça a l'air. Ça tient. J'en sais rien. Les mecs ils sont pas encore construits. À mon avis ça va tomber dès qu'il y en a qui va être accordé. Peut-être pas si. Un peut-être que ça tient encore. Les autres je pense que ça tient pas. Je pense que ça tombe. Alors on n'avance pas hein, par contre hein. C'est vraiment probant. Terminer quelque chose. Construire une cour, engage au moins deux gardiens. Non, mais non, je. Je sais pas. Il y avait un truc, il y avait une histoire. Oh, ça va jamais tenir. Oh, ça va jamais tenir. Jamais. Hein. Là, il y en a encore combien à brancher? Si tout cela, pour l'instant, ça tient. Mais là, je pense que deux, c'est deux de trop. Je pense que le jeu il va pas être d'accord. Voilà, le mec arrive de bobine, paf. Ça tient. Dernier, je sais pas si ça va tenir. Hein. Moi je me trouve très optimiste sur sa capacité à tenir. Et là, c'est mort. Clairement. Clairement, là, c'est mort. Donc là, oui, on rajoute. Ça sert à rien de se poser la question, est-ce que ça va sauter
ça va sauter 800%. Par contre ça, voilà. Ça tout de suite. Sinon, pompe, sinon ça tombait. Hein. Yes, pendant ce temps-là, on va leur soulager un peu le travail, on va vendre un bini ou deux là. Voilà. Parce que du coup ici on n'a pas mis de barbelé. Faudra en mettre. C'est bon là ça tient. Là ça devrait tenir. Là ça devrait tenir. Est-ce qu'on a gagné une nouvelle pièce? Sécurité, voilà, c'est ça que je veux. Et il faut bureau, chaise, classeur. Ok, on va te mettre ça. Hein? Non mais c'est pas ça, non mais t'as pas compris. Ici. Un bureau. Un chaise... Ouais, on peut mettre un chaise-fauteuil, non? Non, faut mettre un chaise-chaise. C'est ultra new edge, hein. Ouais, je suis choqué en fait. Je suis obligé de mettre une vieille chaise nulle. Ah oui, c'est vraiment genre la vieille chaise nulle, y a pas le choix. Et ben voilà, le bureau tassé dans un coin, du coup tout moche. C'est sûr que le mec il a pas de grade quoi, il est vraiment tassé dans son coin, il ouvre un classeur, il tombe de sa chaise direct, il est obligé d'avoir la vieille chaise. Il a pas loin d'avoir le gros fauteuil de bureau, non non, il est obligé d'avoir une chaise nulle. Je trouve ça trop vache, je suis trop capitaliste. Ah, c'est engagé comme jeu. C'est un jeu très engagé. Est-ce qu'on n'abuserait pas un peu sur les barbelés tant qu'on y est? Moi je dis tant qu'on y est, autant rentrer en profiter quoi. Tant qu'à jouer un jeu capitaliste comme ça, autant s'éclater un peu sur les barbelés quoi. Voilà. Très joli. Camille, ça va être aux différents endroits. On est bien, on est bien. On est très très bien. On serait mieux si je condamnais les accès ici pour dire carrément, vas-y, vous sortez pas du chemin. Mais je vois pas l'utilité de le faire. Idéalement, faudrait le faire. Hein. Faudrait dire, non, bah, en fait, tu bouges pas de là. Tu traces tout droit. Même là, hein, ici, faudrait le faire. Faudrait empêcher les mecs de pouvoir se barrer sur les côtés. Ouais. En vrai, on va le faire. En vrai, on va le faire. Ouais, on va complètement ok le faire. C'est ok, tiens. Et Oh non, ici, c'est ce que c'est vraiment nécessaire? Non, pas du tout. En plus, si on veut l'entretien des espaces verts, faut éviter de tout clôturer à fond les manettes. Ce qui d'ailleurs me fait penser que ici personne ne peut venir nettoyer, sauf si furtivement je glisse une petite porte et les mecs peuvent aller nettoyer. Et là c'est dingue. Une haie. Oh là là, ça se trouve que c'est stylé, que c'est joli. On va faire ça. Bon, une haie tout autour des bureaux. Ça serait trop rigolo. Ça ressemblerait trop à rien. Ça serait très drôle. Ceci dit, on a mis des petites fenêtres pour le patron, mais les autres ils s'en ont pas quoi. Y a que le chef qui a droit d'avoir un peu de lumière. Bon après, le mec a des barreaux, hein. c'est pas non plus festival quoi. Enfin, c'est pas dingue quoi. 1, 2, 1, 2. Et là de mémoire c'est 1, 2, 2, c'est ça.
Voilà. Ça tient. Ça tient pas à grand chose, mais ça tient. D'ailleurs, la pile, elle est comment? On a fini de tout poser là? On a fini de tout poser. Officiellement, ça tient. Faut que vous le sachiez. Officiellement, ça a l'air de vouloir tenir. Par contre, il va très probablement falloir fermer. Très très probablement. Alors oui, déjà, une chose qu'il semblerait que j'ai oublié. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Du coup, là-haut. Barbelé ici, barbelé là, s'il vous plaît. Et Thierry Barbelavi. Du coup. Garde le traditionnel mur, murs et clôtures. Je suis pas sûr que ça va tenir vraiment. Oh genre les ouvriers soufflent un peu. Oh ah, les mecs ils sont fatigués quoi. Si vous êtes fatigué, je vous vire. Bande de crétins. Voilà. Très joli. On arrive à faire des vraies choses. Hein. Donc là, on pourra engager deux gardiens, deux cuisiniers et on touche 1000 balles. Cuisinier. Ah oui, il faut que je construise une cour. Le gars, il regarde pas ce qu'il fait. C'est très intéressant. Toujours aussi intéressant ce que je fais pas. Hein. Une clôture, une jolie clôture, moi je pense qu'effectivement une jolie clôture. Alors, ce que j'aimerais, c'est tout de suite pré-shot. Toi, il va me falloir des sas ici, donc il va falloir que j'en trouve. Il me faut mon chemin de 2, tac tac, comme ça. Ah, et je crois que j'ai placé toutes mes canalisations et tout par là. Yes! Bah crétin. J'ai pas réfléchi mon truc, du coup je vais être coincé. Parce que mes sas et mes sas vont prendre de la place. Ah quoique. Non en fait je peux les coller et ça c'est là. Non. Non non ça bouffe de la place. Non non. Non. Faut que j'enlarge. Faut que j'enlarge ma tuyauterie. Et ben c'est parti. Bon, on va tout écouter. Non, c'est pas nécessaire. Ça non plus. Vous avez juste à reposer à côté, hein, normalement. Si vous êtes pas trop mauvais les mecs, ça le fait. D'un seul coup, comme on n'utilise plus rien en batterie. Ah, la batterie elle est très contente. Ah, on consomme plus rien. Ça fait plaisir. Ah, la facture d'électricité, le boss il arrive. Oh, 10 balles, ça va. Au lieu des 10 000 balles par mois. Oh, c'est plus confort tout de suite. Ah, la blague. Ah, il va falloir que je serve au moteur tout ça aussi. Hein. Wow. Oui, parce qu'ils sont en train de poser, je suis en train de dire pourquoi ils sont raccordés les petits tuyaux. Ouais, mais non, en fait ça marche pas que comme ça. On aimerait bien, mais.
Ok. Donc c'est parti, il faut faire des sas. Faut faire des sas. 3 sur 3, on n'a pas besoin de beaucoup plus gros. Avec des grandes portes. Toujours plus de grandes portes. Toujours dans l'abus. Jamais rien de raisonnable. Et des détecteurs de métaux. Ça commence à avoir forme cette histoire. Je vais me faire sauter la pile hein, si j'agrandis pas, je crois. Je vais me faire sauter la pile. C'est dans quoi se faire sauter la pile? Ah oui, altéré de carbone. La série altéré de carbone. Carbon levure. Quand il y a du cul. Parfait, farpé, on a le double porte, la double vérif. Très bien, parfait. Et on n'a pas de trou, d'autres trous dans la chaussée. Alors, on est très bien. Oh là là, on est grand luxe. Hein. Oh, oh, oh. Allons-y pour du lampion. Moi j'aime bien mettre des lampions nuls partout. Hein. Vive le lampion nul. Du lampion partout. Voilà, on en fout partout. On va peut-être pas en mettre là parce que c'est chiant. Non mais pas ici en fait, c'est chiant. Ça déséquilibre le tableau. Il faut que je mette un truc là, mais je sais plus quoi. Mais il faut que je mette un truc. J'ai oublié. Et bien sûr, je vais oublier d'aller regarder dans l'autre vidéo qu'il faut que je regarde pour savoir ce que je devais mettre. Évidemment. Donc là, idéalement, il faudrait se mettre comme ça. Comme ça, on va mettre une porte comme ça, une porte comme ça, oh, on peut se faire un petit truc couille sur 12, hein. Vas-y, vas-y, voilà. Ok. Est-ce qu'on a vraiment besoin de rajouter des murs? Ici, oui. Ici, il n'y a pas trop le choix. Si j'en rajoute pas un, ils peuvent venir là et sauter par-dessus ces murs-là. Sans barbeler. C'est-à-dire qu'il faut que je rajoute... Ou simplement juste une porte du personnel comme ça. Ou un mur avec barbelé parce que ouais. Ouais. Parce qu'en fait, mur avec barbelé. Mur avec barbelé est égal à. Vous pouvez moins passer. Vous pouvez pas passer par-dessus. Ou alors c'est plus compliqué. Ah, on peut rien mettre. Récupérer les sous qu'on avait perdu. Là on perd des thunes hein. Là ça commence à être la misère. Là faut que je finisse ma cour en urgence pour bien pour pouvoir licencier mes gardiens. Tout simplement.
C'est une porte. Et pas très bien. Attends, une porte de clôture. Mais bien. Merci gros. C'est très aimable à toi, j'avais besoin que tu me le fasses. Pour penser à mettre ce barbelé dessus. Voilà, c'est excellent. Excellent. Du coup, pareil, dans les objets à la con, il nous cut là et il nous cut par là. Voilà. Ça, on voit dans les coins. Ici, on a mis du barbelé, donc même si le gars veut faire le tour, pas barbelé partout. Barbelé à tous les étages. Donc, on est bien. Parlons de barbelé à tous les étages. Mec, qui voit un bout de mur. Vas-y, barbelé, vite! Trop de stress. Et du coup normal, lente, on leur colle du gravier, comme ça ils bougent pas trop vite. On reste en terre-terre. On va mettre du gravier. Et nous allons fermer ce quartier. On aura fait le centre de détention de base. Et pas plus. Ah, c'est tout ce qu'on aura fait, ouais. Bah ouais. Yes, on en aura pas fait plus. Hein. Oh, on va faire un joli gel aussi. Un joli. Et ouais, à l'intérieur, je l'aurais mis dans le... Puis on va sûrement leur mettre des projecteurs. Ouais, ouais, on va sûrement leur mettre des projecteurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est chiant. Just Meet, je crois que c'est là. 4, c'est ça. On fait la même chose de l'autre côté. Je peux rien mettre parce que... Parce que ma vie c'est de la merde et qu'il y a encore des arbres. Battez-moi ces bouts de bois. Oui, oh mince. C'est déjà dans la file. Ah, je peux poser ça sur des lampions. Ah d'accord, ça les remplace, ok, automatiquement. C'est rigolo. Je peux rien poser parce qu'ils ont pas abattu les arbres. Abattez-moi ces arbres là, ouais, je vous aide. Ça a l'air de galérer. J'utilise mon pouvoir divin de gagner de l'argent plus fort, plus vite. En vrai, ils bossent bien pour 4 mecs, juste 4 mecs dans la prison. Bon, il n'y a que ça à faire que de construire, mais ça charbonne, hein. ça charbonne dur quand même, hein. Faut reconnaître ça. Ah, j'ai amené la canalisation d'eau, mais pas de hockey. Mais pas de hockey sur glace. Yes. Incroyable. Ah oui, je crois que si je fais le réseau se toucher, ça fait tout sauter en boucle. Je me demande d'ailleurs si ça y est toujours ça comme bug. J'ai pas envie de vérifier. Allez les poulets, faut arquer là, dépêchez-vous. En plus, il y a encore des barbelés à mettre. Dépêchez-vous.
y a encore du barbelé. Hein. Plus vite, Billy, sinon je vais te virer. Tu vas perdre ton job, gros. Tu vas pas plus vite. Et l'autre, il se glandouille. Il est bien. Ok, faut me faire ça en urgence. Ok, pas d'accès. Il faut mettre. Vous êtes con ou vous le faites exprès? Ils sont cons. Attends, on va juste vérifier si le mec est vraiment con. Oui, oui, non, mais ils sont vraiment cons, il n'y a pas d'embrouille. Bah écoute, je vais libérer un Billy là parce qu'ils sont, un peu débiles. Voilà, casse-moi ça, voilà, comme ça on n'en parle plus. Bah yes, ils sont débiles. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment très très plaisir comme d'habitude. Allez-y, faites-vous plaisir, régalez-vous. Hein. Sous la pluie les poulets. Hein. Le béton ça sèche bien sous la pluie, ne l'oubliez jamais. Oh, je pourrais leur mettre des barbelés là-dessus. Oh, ça serait infâme. Ce serait génial. Ce serait complètement génial. Ah, moi je suis loquetier. Hein. Ouais, plus de barbelés, ça me va. Hein. Oh, j'en ai plus, hein. Ouais, des tartines, hein. Jamais dans la modération. Hein. Ah, il y a un poteau électrique qu'il faut raccorder. Et là, en plus c'est chiant, faut que je le tire dessous quoi. C'est-à-dire qu'il a même pas un slot électrique sous lui-même. Hein, c'est chiant. Ça par contre c'est horrible. C'est vraiment horrible. Plus de projecteurs. Allez les gars, motivez-vous, plus de projecteurs. Ils sont pas très motivés ces ouvriers, hein. Vraiment ça sent pas. Ils sentent pas la passion. Tu sens pas la passion en eux de l'incarcération, tu vois, c'est pas. Ça a l'air d'être trop le style local. Ah ouais, ça éclaire pas mal le projo. Ouais, ça éclaire quand même mieux que la petite coupiote quoi. Ouais, ouais, du coup ça justifie. Mais le lampadaire, pour moi ça justifie pas trop. Mais le lampadaire, c'est merdique et c'est très cher. C'est très cher pour être merdique en fait. C'est d'ailleurs même beaucoup trop cher pour être merdique, clairement. Donc c'est du déplacement lent, qu'est-ce qu'on a d'autre en déplacement lent? On a de la terre classique en déplacement lent. Ça peut être clairement une idée. Non, fais pas ça gros. Parce qu'en fait je me dirais bien en... autour de leurs cellules ou des zones un peu sensibles, juste mettre une vieille terre nulle. De toute façon à les empêcher de galoper. J'avais pas pu placer je crois tout à l'heure. Oui, il y en a un que j'ai pas pu placer, il y avait pas la place à cause d'un arbre nul.
Là je peux, ouais, ok, là je peux pas. Yes. Pour ce qui est du haut, 1, 2, 1, 2. Voilà. Alors je peux mettre des loupiottes sur le... On peut vraiment? Attends, je vois. Il y a un lampion là juste pour voir. Ah oui, je joue en mode Balek. Ok. Bon. C'était rigolo. Viens-moi ça, moult projectoras. Très bien. Faudrait rajouter. Non mais, pas de lumière automatique, c'était fou quoi. Faudrait rajouter juste des lumières là où j'ai des angles morts. Genre là. Là j'en ai un. Là j'en ai un. Un, deux. Je le pose sur la troisième. Un, deux. Je le pose sur la troisième. Sur le troisième. Et globalement, on est pas mal. Voilà. Et ça se tient. Très bien. Et nous avons du coup une cour. Sous une surveillance certaine. Voilà. Avec un certain petit coup de pression. Discrètement. Mais sûrement. Ouais, ça clairement, je vais le raccorder comme ça. Par contre, je vais vous raccorder. Voilà. Et voilà. C'est pas mal. Ça pourrait presque commencer à ressembler à quelque chose. Ce qui continue à me faire penser que il faudrait par contre me terre battu tout le reste. Alors. De manière à ce que en dehors des chemins, les mecs s'ils tentent de s'évader, ils sont en terre battue tout le temps quoi. Là on peut conserver le petit caradère quand même, on peut peut-être pas déconner non plus. Là aussi, on est peut-être pas obligé. Monte là ouais. Ah terre battue. Terre battue quoi. Hein. Là oui, effectivement, on peut s'autoriser des petits gazons esthétiques, un peu mignons, voilà quoi. Un peu kawaii, tout ça quoi. Ça ouais, ça on peut s'autoriser un petit peu quoi. Mais un petit peu, pas trop. Et comme ça. Et comme ça. C'est très joli. Et on peut même s'offrir justement le fameux luxe de se caler une petite haie. Question, c'est joli juste un petit bout de haie tout seul ou c'est un truc vilain? Ah c'est vilain. Voilà. Voilà, on a notre réponse. Et là, est simple. Bon, après, elle est dégueulasse, mais évidemment, parce que rien n'est propre dans le coin. Mais... Il serait peut-être temps qu'on ait des jardiniers un jour. Donc, pas d'admission, salaire des gardiens, machin. Non, mais ça, ok, on s'en fout, ça, ok, tiers. Pas de soucis. Subvention. Attestation de sécurité de base. Engager un chef de la sécurité nécessite un bureau. Engager 10 gardiens. Verrouille patrouille. Déverrouiller patrouille dans l'administration. Affecter 3 gardiens à des patrouilles. Ah, ça fait un peu cher tout de suite. Entretien de la prison. C'est pas nécessaire, je crois pas tout de suite.
Entretien d'administration, déverrouille entretien dans intérieur, extérieur, engage un contremaître, engager au moins deux concierges et un jardinier. C'est un peu dégueulasse, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Droit de visite, construire un parloir, ajouter au moins trois tables de parloir, construire une salle commune, ajouter une table de billard, ajouter au moins deux télévisions, construire au moins cinq cabines téléphoniques. On pourrait partir là-dessus. Avant de se faire par exemple le bloc de cellule A, ça nous permettrait, par exemple, si je le prends, de justement continuer la prolongation ici, avec les fameux droits de visite, etc. Et où on pourrait construire bah, les bâtiments dont on a besoin. Ajouter au moins deux télévisions. Ah, celle de. C'est bugué. Celle de la salle de pause qui compte des gardiens. C'est cool. Mais quelque part. La bonne nouvelle, c'est que tu peux saucer tes gardiens et faire croire à l'administration, si si, regardez, j'ai la facture de deux achats de télévision. En fait, on avait une. Ah, vous savez quoi, je vais faire. On va se le faire. Mais on va se le faire dans un prochain épisode. On a bien avancé, on a bouclé notre cours, on se fait ça dans un prochain épisode. Je vous fais des bisous. À la prochaine, c'était Knarfank sur Code Addict Gaming, Prison Architect. Des bisous.